Hey! Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve en cette belle matinée pour parler du show de l'année, WrestleMania 38. Moi j'aurais aimé mettre le theme song du show, mais le DMC allait pointer le bout de son nez. Donc c'est pas grave, on va mettre cette petite musique de rock libre de droit. Au moins on est tranquille. Donc, le programme de cette... je sais pas combien de temps ça va durer, ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer une heure. Nickel, le son est bon. Mon coloc vient de me donner le feu vert, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les pronostics de WrestleMania. On va donner notre avis sur les matchs, la hype qui s'est créée par rapport à ça. Moi, je peux vous dire que le show... il me hype pour dire. Il y a des matchs qui me hype et des matchs qui me hype beaucoup moins. Et des matchs qui auraient pu être en weekly, ça aurait été pareil. Et donc, c'est pas grave. On va essayer de passer deux grosses soirées catch. Et parce que c'est. Moi, c'est bien maintenant, c'est sur deux journées depuis un an ou deux. Donc, on va tout de suite commencer par la journée 1. En fait, je vais vous donner les matchs dans l'ordre de ce qui me hype le moins à ce qui me hype le plus. Comme ça, au moins, ça fait une petite continuité, j'ai envie de dire. Donc, je baisse un petit peu le son. Voilà. Donc, déjà, où se passe ce show? Ce show se passe à Austin, au Texas, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça, hein. C'est à Austin au Texas, non? C'est ça, hein. Non, c'est à Arlington, Texas. C'est pas la ville, mais c'est... Si, c'est la ville de Shawn Michaels. C'est la ville de Shawn Michaels. Et c'est aussi l'état de... où vient Stone Cold Steve Austin, bien sûr. Donc allez, on va tout de suite commencer par le match qui me hype le moins. Donc de la première soirée de WrestleMania. Qui n'est d'autre que... le match qui va apparaître tout de suite devant vous. Attendez deux petites secondes. Il est là. Hop. Mais il faut d'abord que j'enlève l'autre image. Qui est là? Voilà. C'est ce match-là
un match tag team entre donc le New Day et ceux que j'appelle les Peaky Blinders. Donc Reed Jolland, Sheamus et Books. Donc Pete Dunne, on va appeler Pete Dunne, c'est mieux, parce que Butch, c'est pas foufou, quoi. Donc ce match-là, ben, ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a vu, revu, revu, en weekly, depuis maintenant 3 semaines, 1 mois presque. Donc, peut-être même que ils vont peut-être le passer dans le pré-show. Je suis pas sûr. C'est dommage que Biggie se soit blessé, parce que je pense que le but, c'était le New Day au complet contre les Peaky Blinders. On aurait pu voir de nouveau un peu Pete Dunne en action, parce que Pete Dunne, c'est quand même un super, super catcher. Même si là, je sais pas trop où ça va l'amener, cette gimmick de Butch. Mais bon. Donc, pour ce match, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, je pense que le New Day, ils ont pas vraiment besoin d'une victoire dans ce match. Ridgeland, c'est un peu le nouvel arrivant, hein, c'est le plus récent de tous ceux qui sont présents. Et Midsommar, bonsoir monsieur As de Pique. Enfin bonsoir, j'ai tellement l'habitude de me driver le soir que je dis bonsoir. Bonjour monsieur As de Pique, comment allez-vous? The Rock. Donc dans ce match, moi je vais pronostiquer une victoire des Peaky Blinders. Et j'espère que Sheamus partira bientôt sur un truc un peu plus intéressant. Pourquoi pas les SmackDown Tag Team avec Ridgeland? Ça pourrait être pas mal. Donc match suivant. Attends, il faut juste que je coupe le match. Au boulot MDR, hein, mais je te crois. Oui, c'est clair. Monsieur était au boulot et monsieur passe sur mon live. Ça fait plaisir. Donc le match suivant, messieurs, dames. Attendez, est-ce qu'il faut à chaque fois que je... Faut, en fait, il faut qu'à chaque fois j'enlève une image pour en mettre une autre. C'est un petit peu chiant. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Je fais des pizzas. Prépare-moi-en une, s'il te plaît. 4 au fromage. Merci. Le premier match suivant, c'est le kebabier, bien sûr. Drew McIntyre qui affronte Joyeux Corbin. Qui est invaincu depuis qu'il est joyeux. Bon, après, il a fait quoi? Il a fait 4 matchs ou 5 matchs télévisés, je crois. Bon, le match est pas mal. C'est un match qui a été protégé depuis pas mal de temps. Et donc voilà, donc ça c'est pas non plus une affiche WrestleManianesque, j'ai envie de dire. Mais bon, le match peut être intéressant. En plus, Matt Catmos, il vient de remporter hier soir la bataille pour André le Géant. Joyeux copain qui a remporté quand même la bataille d'André le Géant, c'est incroyable. Tous ceux qui ont gagné cette bataille royale, après sont devenus de gros catcheurs, n'est-ce pas? C'était ironique. Donc là, pour ce match, pareil, qu'est-ce qu'on peut dire? Drew McIntyre, je pense qu'il est en programme d'attente depuis pas mal de temps. Parce que c'est possible, c'est même sûr et certain qu'il va redevenir main eventer et qu'il va aller chercher le chef tribal. Donc, si on suit cette logique, eh ben, je vois rien d'autre qu'une victoire de Drew McIntyre, quoi. J'ai pas de truc à dire. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Je sais pas en fait, As. Je donne mes pronostics, je donne mes avis sur les matchs. Et dès que j'arrive à la fin, bah j'ai fini. Ça peut durer 30 minutes comme ça peut durer une heure. Aucune idée. Sinon, As, dis-moi juste si tu m'entends bien par rapport à la musique de fond. Et je bois un petit chou. Parce que là. J'ai la gorge un petit peu serrée. Voilà, là ça va mieux. Oui, très bien, mais nickel. Bon voilà, donc victoire du kebabier, victoire de Drew McIntyre. D'où on espère que plus tard il va remonter un petit peu dans la carte. Et aller affronter Roman Reigns. T'es même enrhumé, ah, de ouf. Je suis enrhumé de ouf, mec. Je pense que ça s'entend à ma voix, mais bon. Tu sais, quand tu bosses toute la semaine dans un putain de frigo, tu jambites la crève.
le match suivant. Match suivant. La famille Mysterio contre le Miz et Paul Logan, le youtubeur controversé. L'homme qui a affronté en match de boxe Floyd Mayweather. Attention! Donc pour ce match, qui est déjà un peu plus WrestleMania, parce que voilà, il y a une star extérieure au catch, il y a le Miz, il y a Mysterio, ça pète un peu plus qu'avant. Mais maintenant un match, je vais dire intéressant, parce que Paul Logan, on sait que il a quand même déjà fait quelques matchs de boxe ou d'UFC. Moi, ça reste, c'est pas non plus, voilà, mais bon. Après, avec le Miz, ça peut toujours être bon. Des petits coups de pute, comme on les aime, tu vois. Le Miz, j'adore. Moi, je suis un gros fan du Miz. Donc, j'ai envie de dire. Et après, bon, il y a le papa et le fiston. Les Mimi, les Réré, comme dirait Sturie. Ah, merci d'être passé, As. Travaille bien. Si j'ai envie de dire. Bonne journée, monsieur. Donc, après, honnêtement, souvent quand t'as une star extérieure au catch qui vient faire un match et qu'il est monté comme étant un heel, il gagne pas souvent. Après, quand t'as une star qui est montée comme étant un face, tu gagnes souvent. Hein. On se rappelle Stéphane Hamel avec Neville contre Gold et Stardust. C'était à peu près ça. Hein, c'est voilà. Après, il y avait Bad Bunny avec Damien Priest qui avait gagné. Mais là, Paul Logan, comme il est heel, bah moi, je partirais bien plus sur une victoire donc de Rey Mysterio et de son fiston Dominique. En plus, je pense qu'ils ont plus besoin de momentum que le Miz. Donc, je partirais sur une victoire du papa et du fiston de Los Mysterios Luchador. Allez, on continue. Prochain match. Le Raw Women's Championship entre Becky Lynch et Bianca Belair. Becky Lynch, elle me gonfle. Je le dis directement, Becky Lynch, elle me gonfle. Je l'aime bien. Elle s'est même améliorée in-ring par rapport à ces dernières années. Mais elle me gonfle. En fait, dès que Becky Lynch revient, il faut qu'elle soit sur le devant de la scène tout le temps et ça me saoule. Vous allez dire que Charlotte Flair, elle fait pareil. Mais Flair, c'est Charlotte Flair, donc ça passe. Après, donc ce match, que j'espère sera la revanche de l'humiliation du SummerSlam. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Bianca Belair était championne de SmackDown depuis WrestleMania 37. Et elle faisait un règne plutôt sympathique, plutôt cool. Et là, hop, Becky Lynch, elle fait son retour de maternité. Et 30 secondes plus tard, Becky Lynch est championne du monde. Elle arrive, elle fait une prise à Bianca Belair. 1, 2, 3. Super. Donc là, je pense que l'affront va être levé. Par contre, j'aimerais que ce soit pas un squash, parce que c'est possible qu'il y ait un squash, mais j'espère que non. Moi, je veux voir un gros match entre les deux, parce qu'il y a trop de tension entre les deux pour que ça finisse trop vite, quoi. Donc j'espère qu'il y aura un bon gros match. Peut-être une vengeance au niveau capillaire de la part de Becky Lynch. D'ailleurs, j'ai vu sa nouvelle coupe de cheveux, ça lui va très très bien. Mais bon, je pense qu'il est temps de redonner le titre à Bianca Belair. Donc je vais partir sur une victoire de Bianca Belair. The East of WWE va repartir en tant que Raw Women's Champion. Vous l'avez entendu, ici. Match suivant. The
C'est marrant, c'est qu'on arrive sur une musique du nouvel an sur un match comme ça. Donc c'est la Bloodline contre Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Ils ont pas de nom d'équipe et j'en ai pas trouvé non plus. Donc, c'était pour le SmackDown Tag Team Championship, bien sûr. Donc, Jimmy Uso, la Bloodline, qui sont au top depuis... En fait, depuis la création de la Bloodline, ils sont au top. Donc, j'ai envie de dire que... c'est pour moi l'équipe de l'année, ça c'est sûr. Et je pense qu'il y a un projet Rick Boogs, je pense. Je pense qu'il y a un projet Rick Boogs, parce qu'il est quand même bien mis en avant, quoi. Dès qu'il rentre sur le ring, il défonce tout le monde. Nakamura, il fatigue un petit peu l'équipe adverse, et Rick Boogs, il éclate tout le monde. Donc je sais pas jusqu'à où ça va aller. Est-ce qu'on aura un jour Roman Reigns versus Rick Boogs? Ça, on sait pas, tu vois. Mais là, je pense qu'il est trop tôt pour que la Bloodline perde ses titres. Donc, je vais plus partir sur une victoire de la Bloodline. Parce que, genre, en fait, je vous avoue que j'ai vraiment envie que ça continue. J'ai pas envie que ça s'arrête pour l'instant. Et de son, je verrais mal les Ouzo perdent maintenant, en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais... Je pense que c'est pas le moment. Je pense que l'équipe en face, elle a pas assez de star power pour battre les Ouzo. Vous m'aurez mis R. Cabron en face, ok, tu vois. Mais là, Nakamura, Rick Boogs, je sais pas, ça manque de... Après, c'est mon avis, hein. Ça manque de star power, quoi. Donc, je veux dire que la Bloodline va rester forte. Donc, je vais me parler de cette victoire... des frères Uso. Match suivant. Qui est je ne sais plus lequel. Et qui est le SmackDown Women's Championship. Entre la meuf qui est pas là depuis un an et demi. Qui vient en numéro, je crois, 29 ou 28. Elle catch pendant 10 minutes au grand maximum dans le Rumble. Et hop là, elle gagne. Wow! Ronda Rousey. Vous avez compris que je suis pas un grand fan de Ronda Rousey. Quand elle était à l'UFC, pas de problème. Gros fan. Mais à la WWE, bon, elle a eu quelques bons matchs. Hein. Mais c'est... Je sais pas... Enfin, c'est... Elle est trop sûre. Ah, voilà. Elle montre rien. Et on lui donne tout. C'est ça qui me gonfle. Après, je peux comprendre qu'elle a star power de ouf. Elle fait vendre des places. Hein. Tu dis que Rousey, elle va être là. Le stade, il peut être plein, tu vois. Je peux comprendre. Mais voilà, moi, ça me gonfle un peu. Qu'une nana comme ça vient piquer les opportunités de nana qui sont là toute l'année. Qui en chie. Qui montre de très belles choses. Je parle là actuellement, je parle bien sûr de Liv Morgan par exemple, ou de Rhea Ripley, ou même de Sasha Banks. Et non, on nous sert Ronda Rousey encore une fois. Après le match, c'est un dream match, hein. Rousey, Flair, voilà. Il y avait eu un très bon match à SummerSlam, je crois que c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un très bon match, hein. En plus, qu'il avait fini d'une façon qui m'avait bien plu parce que. Ça avait décrimisé personne en fait, parce que Flair avait pris une chaise et avait tapé sur Ronda. Donc voilà, Ronda avait gagné par DQ, mais Flair n'avait pas pris de pin. Et donc là, je pense que tout le monde s'attend à une victoire de Ronda. Je pense que, voilà. En tout cas, j'ai lu un petit peu partout, et je crois que Ronda Rousey ressort vraiment beaucoup plus que Flair. Et moi, j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie que Ronda Rousey, on lui donne le titre encore une fois. Comme ça, gratuitement, en cadeau. Et donc, je vais partir en contre-courant. Et je vais dire victoire de The Queen, Charlotte Flair. Wouh! La Queen, in my heart, à vie. La meilleure sur le ring, c'est elle. Point final.
Et donc là, on continue avec ce fameux match qui est le match qui me hype le plus de la première nuit de WrestleMania. Seth freaking Rollins de Raw Messiah Rollins contre un adversaire mystère choisi par le chairman Vince McMahon. Alors là, il y a beaucoup de possibilités de combat. Hein. On va parler des 5 plus grandes, enfin des 4 plus grosses rumeurs. Et je vais vous donner mon cinquième bonhomme après. Après, il peut affronter n'importe qui, hein. Il peut très dire ce sera Rollins contre Hornswoggle. Je veux dire, mais on espère pas quand même. Donc, les premiers, enfin tous ceux qui sont pressentis pour affronter. Donc bien sûr, on va commencer par le plus, celui que tout le monde veut voir, le match que tout le monde veut voir. Moi, toi, Vince, on veut ça. S'il n'y a pas ça, on va être déçu, Vince. Ok. Cody Rhodes. Cody Rhodes, le free agent le plus on fire. Bonjour, Moon Avril. Comment vas-tu? Putain, quelle coïncidence. Comment ça, moi? Comment ça? Donc voilà, donc le free agent le plus on fire de la, du monde catchesque actuellement. Cody Rhodes, qui vient de quitter la AEW qu'il avait co-créé. Je débarque et Cody Rhodes débarque. Je voulais justement en parler. Ah, bah voilà. Ça tombe bien. On peut en discuter autant que tu veux. Donc Cody Rhodes. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Cody Rhodes va signer, enfin re-signer avec la WWE. Et en vrai, c'est le meilleur truc à faire. Rollins, Rhodes, il n'y a pas mieux en fait. Donc, tu peux pas faire mieux que ça, quoi. Cody, il a obtenu un énorme star power depuis qu'il a quitté la WWE. Donc, franchement, si sa musique, elle se lance. D'ailleurs, j'espère que s'il revient, il revient avec sa musique qu'il avait à la WWE, ça serait énorme. Je voulais te dire que penses-tu du fait que Cody Rhodes quitte AEW, la compagnie qu'il a créée pour aller à AEW Society, qu'il a critiqué depuis toujours? Si j'ai bien compris, Mouna, c'est que il y a eu des problèmes au niveau du salaire de Cody à la AEW. Je crois qu'il voulait, il demandait trop par rapport à ce qu'on pouvait lui donner. Donc je pense qu'il est revenu vers la compagnie qui paye le plus. Et après là, je pense que si vraiment il est revenu avec des garanties. Hein. Je pense qu'il est revenu avec des garanties qui vont lui donner un titre mondial. Je pense. Hein. Parce que pour quitter le vaisseau qu'il a co-créé, mais il vient de perdre tout le respect qu'on avait pour lui. Oui et non. Oui et non. Parce que s'il revient avec des garanties et que il est bien mis en avant, on sait pas, il faut attendre. Moi, je peux pas juger pour l'instant tant que j'ai pas vu le retour, tu vois. Après, voilà, moi, comme dit, moi, depuis que je suis gamin, je mate la WWE, tu vois. C'est... Je peux comprendre qu'il y ait des choix qui plaisent pas, hein. Mais ça me berce depuis 20 ans maintenant, même un peu plus, tu vois. Et Cody Rhodes, moi je me rappelle d'un très bon Cody Rhodes à la WWE. La Legacy. Après, il y avait l'équipe avec son frère. Non, pour moi, voilà, on verra bien. WWE va profiter de son statut pour le milquer et le jeter comme une chaussette. On sait pas. Moi, je pense pas, tu vois. Parce que le mec, maintenant, il pèse. Il pèse plus qu'avant, tu vois. Donc, s'il est revenu, c'est pas pour rien. Après, est-ce que ça va être lui? On sait pas, tu vois. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais moi je pense pas qu'ils vont le jeter comme une chaussette. Du moins j'espère pas. Hein. Après maintenant le gars il est plus. C'est plus Cody Rhodes qui était un petit peu en froid, tu vois. Là Cody, en vrai, maintenant qu'il est free agent, s'il va chez quelqu'un, c'est pas pour rien, tu vois. Parce qu'il peut aller où il veut maintenant.
Après, peut-être même qu'ils l'ont fait signer comme free agent, tu vois. C'est peut-être pas un contrat exclusif. Donc peut-être qu'il va pouvoir catcher ici et aller catcher au Japon, aller catcher au Mexique. Il fera ce qu'il veut, tu vois. Donc voilà, donc Cody Rhodes, Rollins, c'est la meilleure affiche possible actuellement. Maintenant, on va parler des autres rumeurs, quoi. Et son frère, du coup, il a quitté le WWE pour rejoindre son frère à AEW et maintenant, il laisse tomber son frère. Goldust. Ouais, mais comme dit, si au niveau salarial, ils s'entendent pas, et ben, voilà, quoi. Tu sais, on vit dans un monde où c'est un peu triste, hein, c'est même très triste. Mais un monde où ce qui compte, c'est l'argent. Et comme il a pas eu ce qu'il voulait au niveau financier... Il s'est barré. Et après, Goldust, il n'est pas parti que pour ça. Il est aussi parti parce que... Il n'y avait rien pour lui à la WWE, tu vois. Pardon. Allez, on va parler des autres rumeurs. Dans ce match, on sait qu'il est présent. Parce qu'il est, au WrestleMania Access. On sait qu'il est en ville. Et on sait qu'il y a une Spirou 2 encore. Bill Goldberg. Rollins Goldberg, c'est possible que ce soit ce match-là aussi. Hein. On sait pas. Est-ce que la légende va encore donner une Spirou 2? J'espère pas. Mais c'est très probable. Si Cody il a pas signé... Bah le match, ça va peut-être être contre Bill Goldberg. Hein. Le vrai Daman. Après, est-ce qu'on veut voir Rollins Goldberg? Je suis pas sûr. Et non pas Becky Lynch, mais c'est ça, ouais, voilà, c'est ça, oui. Hey, The Man, c'est Rollins, c'est clair. Le Dark Messiah, le Freaking, tout ce qu'on veut. Rollins, il est on top. D'ailleurs, c'est dommage que Rollins ne soit pas un peu plus mis en haut de la carte parce que ce mec-là, il envoie du lourd. Donc, Bill Goldberg, c'est possible. Après, on va parler d'un bonhomme qui était... Non, The Man, c'est le surnom de Goldberg. Enfin, c'était. Bah oui, après, il avait une streak énorme de victoire qui a été mis fin à Starcade 95. À Starcade, ouais, quand il a perdu contre Diesel. Après une intervention de beaucoup, beaucoup de monde. Et surtout le coup de pied à Bret Hart. Bah oui. Donc là, on va vite fait parler du bonhomme qui devait... C'était le plan initial. Hein. C'était Seth Rollins contre Shane McMahon. Shane McMahon devait affronter Rollins. C'était le plan de base. Mais... Après ce qui s'est passé au Rumble... Here's come the money, c'est ça. Money, 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 money. Mais il s'est passé au Rumble des choses qui n'ont pas plu au vestiaire. Et à la direction, Shane McMahon a pris trop de liberté et s'est mis un petit peu trop en avant au Rumble. Donc, il a été puni depuis, puni hein, comme un enfant et mis de côté. Mais c'était le plan initial. Donc, est-ce qu'ils vont revenir dessus? J'espère pas, hein. Mais c'est une probabilité. Nani. On punit le fils du patron, mais c'est même le patron qui l'a puni. C'est son daron hein, qui l'a mis de côté, tu sais. Oh quoi, fiston? Tu es puni. Parce que Shane, normalement, c'était lui qui scénarisait SmackDown. Et il a été mis de côté. Mais est-ce qu'on va revenir dessus? C'est possible. C'est possible. Sinon, le prochain, c'est Gable Stevenson. Gable Stevenson, donc le champion olympique, les régies d'un programme de la WWE, qui est vu un petit peu comme le futur de la WWE. Moi, de ce que j'en ai vu, bah, je sais pas trop, parce que pour moi, il a un charisme proche de zéro, tu vois.
Moi, je suis pas fan du bonhomme. Le nouveau Next Big Things, c'est possible. Après, il faut me vendre plus que ça. Hein, parce que pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est... Ouais. Donc si... là, en vrai, un match contre Rawlings, ça peut lui donner du star power, tu vois. En tout cas, d'après toutes ces quatre rumeurs, pour mes pronostics, si c'est Cody Rhodes contre Rawlings, c'est Cody Rhodes qui va gagner. Shane McMahon Rawlings, c'est Rawlings. Goldberg Rawlings, c'est Rawlings. Et Gable Stevenson Rawlings. J'espère que c'est Rawlings. Mais je pense qu'ils vont faire gagner Stevenson. Voilà. Mais bon, par rapport à ça, on sait tous que ce sera aucun de ces quatre-là. Et que ce sera bien sûr... Veerman contre Rawlings. L'affiche Dream Match entre Rawlings et Veerman. Bien sûr, on sait que c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Vous voulez Veerman, Rawlings? On le veut tous. C'est ironique. C'est fucking ironique, bien sûr. Donc voilà, donc on espère Cody Rhodes. Et donc le show de la première soirée devrait se finir par le Kyo Show avec Kevin Owens. Je ne regarde plus de vidéos depuis la fucking PG era. Ah d'accord, bah celui-là, donc ça fait un bail quoi, que tu regardes plus quoi. Donc voilà, le Kevin Owens Show où il va recevoir l'enfant du pays, Stone Cold Steve Austin. J'attends beaucoup ce moment. Le moment de l'entrée de Stone Cold Steve Austin. Je l'attends beaucoup parce que... J'espère que ça va faire une ambiance à la Attitude Era, tu vois. Où les gens, ils vont être en transe. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce Kevin Owens show? Je sais pas trop. Parce que on aimerait qu'il y ait un match hein, entre les deux. On aimerait beaucoup. Mais bon, Stone Cold, il est blessé au cou depuis maintenant presque 20 ans. Donc pour lui, ce serait mieux non, quoi. Austin 316, I say just whooped your ass, c'est ça. Ça serait énorme, tu sais, qu'il vienne comme à l'époque, avec un camion à bière, avec la lance, là. Et qui le balance de bière sur Owens. Après, qui va partir de ce show? La tête haute? Je sais pas trop. Parce que c'est possible qu'il y ait une intervention pendant le show. Du genre Roman Reigns qui viennent casser la gueule à Steve Austin et à Owens pour se faire encore, pour mettre plus de hit encore sur lui. Donc je sais pas. Soit ça finit comme ça et ça finit sur des huées. Soit ça finit sur un Stone Cold Stunner sur Owens et là ça finit sous des bravos quoi. Yeah, bravo! Donc en vrai, je suis intrigué par ce Kevin Owens show et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez, on va passer à la soirée 2. Est-ce que maintenant, WrestleMania est sur deux soirées, Moon, si t'étais pas au courant. Donc, dans la nuit de dimanche à lundi, le match qui me hype le moins de la soirée, c'est celui-là, entre Bobby Lashley et Omos. Alors, Omos, c'est le nouveau Great Khali, en vrai. C'est le nouveau géant qui parle pas, qui fait juste comme ça. Et Bobby Lashley, bah, il avait été monté super puissant, puis Lesnar est revenu et il est passé pour une bite. Donc en fait, ce match-là, c'est un peu le match de celui-là qui perd hyper gros en fait. Si Bobby Lashley perd contre Omos, bah, il va être décrédibilisé. Et inversement, pareil, si Omos perd contre Lashley, Omos va être décrédibilisé. L'ancien bodyguard de AJ Styles, c'est ça? Exactement. Donc, pardon. En vrai, pour moi, ça peut pas finir sur une défaite clean, tu vois. Je pense qu'il y aura une intervention ou un double count-out à l'extérieur. Mais autrement, je vois pas. Parce qu'après, est-ce qu'il y a un projet Omos? La question, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a un projet Omos? Parce que s'il y a un projet Omos, Omos doit gagner le match.
s'il n'y a pas de projet Homos, bah Lashley doit gagner le match pour que Lashley remonte. Remonte un petit peu son power, quoi. Donc, c'est là qu'on va être. On va savoir vraiment s'il y a un projet Homos ou pas, quoi. C'est ce que. Voilà. Après, si je dois parler avec le cœur, je suis pas fan d'Homos. Moi, j'aimerais une victoire de Bobby Lashley. Mais je vais quand même partir sur un match nul. Je vais dire qu'il y aura un match nul, voilà. Parce que je pense qu'il y a un projet Homos. Je suis pas fan du projet Homos, hein, mais je pense qu'il y en a un. Et donc, je vais partir sur un match nul entre les deux. Ensuite, on a le match de la folie entre Sami Zayn et Johnny Knoxville des Jackass. Ou un match où tout peut arriver. Oh, aucune DQ, il n'y a rien. En fait, c'est un no holds barred match entre Zayn et Jackass, en gros. Donc, ça peut être marrant. Le match me hype pas plus que ça, mais ça peut être drôle. Je peux être surpris. Hein. Soit avec Johnny Knoxville, on peut être surpris. Hein. S'il fait des trucs à la Jackass, ça peut être pas mal. Après, ce qui me gonfle un peu dans ce match, c'est que je pense que Sami Zayn va perdre le match. Et Sami Zayn, il a vraiment pas besoin de perdre des matchs. Il lui faut des victoires. Le mec, il est devenu champion intercontinental. Et la semaine d'après, il l'est plus. Donc, après, Sami Zayn Knoxville, ça dure depuis un mois avant le Rumble. Donc, ça commence à dater. Hein. Mais, comme j'ai dit avant, quand une star en dehors de la WWE vient et qu'elle est montrée comme étant le gentil, il gagne souvent. Donc là, Knoxville va peut-être battre Sami Zayn et ça me gonfle. Le problème de la WWE aujourd'hui, c'est match 1 égale 1v1, 2 1v1 match, 3 1v1 main event et 1v1 ESPIF. Ah, c'est ça, oui. C'est l'UFC ou quoi? C'est un petit peu ça, c'est chiant. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui sont chiantes. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Et moi, j'essaie de me focusser, tu vois, sur les bonnes choses comme ça. Tout ce qui est mauvais, je l'occulte un petit peu. Après, oui, comment on dit déjà? Je me bande les yeux, tu vois, voilà. Donc là, Johnny Knoxville va sûrement battre Sami Zayn. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Mais ça va être sûrement le match fun. J'ai pas vu que ça va pas durer non plus trop longtemps, quoi. Pas que ça bouffe des minutes sur d'autres matchs qui seraient plus intéressants, tu vois. J'ai dit une victoire de Johnny Knoxville à contre-cœur. Putain, j'ai chopé la crève, moi. Ensuite, on a le match entre Pat McAfee, donc le commentateur de SmackDown, et la nouvelle pouliche du patron, Austin Theory. Où sont les Ladder Match, les Hell in a Cell, les Triple Threat, les Fatal 4-Way, etc. Bah ouais, ça manque un petit peu de match à stipulation. J'avoue que c'est ça qui manque un petit peu dans WrestleMania aussi. Après, il y a des Fatal 4-Way dans le show, si tu verras, ça va arriver. C'est vrai que pour un WrestleMania, il n'y a pas trop de stipulations, quoi. Après, Hell in a Cell, maintenant, c'est plus à Hell in a Cell, tu vois. Les Ladder Match, c'est plus à TLC ou à Money in the Bank. Maintenant, ils ont fait un peu des PPV catégoriques, tu vois. TLC, Table, Ladder and Chair, tu vois. C'est un peu con, mais bon. Donc, Pat McAfee contre Austin Theory. Austin Theory qui est montré comme étant le futur. C'est le gars à Vince McMahon. Voilà, c'est... Et donc, Pat McAfee, c'est un ancien footballeur américain qui avait fait un ou deux matchs à NXT qui était pas mal. Donc, ce match-là, il me hype assez bien parce que les deux, ça peut donner quelque chose de bon. Après, au niveau du résultat final, bah, je pense que tu peux pas faire perdre Austin Theory. C'est qui McAfee, le blond ou le blanc? McAfee, c'est le blond. C'est le blond. Pat McAfee, c'est le blond. Ouais. C'est un ancien footballeur américain qui a fait quelques matchs à la NXT et qui maintenant est passé commentateur. Mais qui a au micro, c'est une machine de guerre, tu vois, c'est ouf.
Mais comme dit voilà, Austin Theory, c'est un catcheur. C'est le mec à Vince McMahon. Donc je partirais plus sur une victoire de Austin Theory. Mais je pense que le match peut être pas mal. Après, je vois pas une victoire de Austin en vraiment clean, tu vois. Il va faire quelques petits coups de pute à la McMahon, tu vois. Donc ça peut être pas mal, ça peut être... En vrai, j'attends ce match. Ce match-là, je l'attends pas mal. Mais bon, victoire de Austin Theory. On continue avec le Women's Tag Team Championship, le Fatal 4-Way Women's Tag Team Championship. Entre les challengeuses. Donc on a Liv Morgan et Rhea Ripley, qui est l'équipe la plus à gauche sur l'image. Donc Morgan, c'est la blonde. Et Ripley, c'est celle qui a le rouge à lèvres noir. Après, on a les champions par équipe. Queen Zelina et Carmella. Contre Sasha Banks, Naomi. Et contre Natalia et Shayna Baszler. Ne me dis pas que c'est ça le Fatal 4-Way dont tu parlais. Si, c'est le seul Fatal 4-Way qu'il y aura, quoi. Mais c'est des meufs, je regarde pas les meufs, moi, frère. Dis-toi que les femmes, c'est pas pareil qu'avant. Hein. Parce que si tu compares ces meufs-là à l'époque Kelly, c'est pas ça du tout. Hein. Les meufs, maintenant, c'est souvent les meilleurs matchs, hein, je te le dis. Hein. Donc, parce que ces meufs-là, c'est pas des starlettes, quoi. Donc, ce Fatal 4-Way pour le Women's Tag Team Championship. Déjà, je pense qu'il y aura des nouvelles championnes. Ça, c'est quasiment sûr. Sasha Banks, Naomi. C'est une équipe montée à la va-vite pour que Sasha Banks soit à WrestleMania, je pense. Natalia, Shayna Baszler. Elles font que perdre dans des putains de roll-up, quoi. Donc, je les vois pas trop gagner, quoi. Et après, il y a les deux nanas qui ont été punies, entre guillemets, à cause de Ronda Rousey. Liv Morgan et Rhea Ripley, qui sont les deux nanas qui ont été le plus mis en avant. Donc, voilà quoi, c'est... Elles méritent beaucoup plus que ce qu'elles ont. Donc, au moins, en lot de consolation, leur filer le titre tag team, quoi. C'est pas ça, tu n'as pas compris, mes parents se baladent dans la maison, et s'ils me regardent ça, ils vont me taper par honte. J'habite au Maroc, pour nous, c'est presque du porno, frère. Ah, d'accord. Sorry. Sorry pour toi, mon ami. Excuse-moi. D'accord, non, à ce moment-là, je comprends. Je comprends mieux. Donc voilà. Donc pour en revenir à ça, Liv Morgan et Rhea Ripley vont sûrement devenir championnes Women's Tag Team en lot de consolation de ne pas être dans le main event de WrestleMania, quoi. Merci, Ronda. Allez, on continue. Un triple threat match pour les Raw Tag Team Championship entre, donc on commence par la gauche, les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. Ah, enfin! Angelo Dawkins et donc Montez Ford, les Street Profits qui ont été champions d'Euro cette année, sont là, les trois équipes ont été champions d'Euro. Hein. Après, à tout à droite, on a la Alpha Academy avec Otis et Chad Gable. Franchement, Chad Gable et Otis, j'y croyais pas du tout. Mais putain, qu'est-ce que ça fonctionne bien. Et après, la meilleure équipe de Raw, l'équipe la plus... l'équipe tag team la plus divertissante de cette année, c'est les RK-Bro avec Matt Riddle, le bro. Et bien sûr, la superstar, la légende, que dis-je, le légende killer, The Viper, Randy Orton. Randy Orton qui est à un niveau de overness qui est incroyable. Donc, pardon. Donc Orton, il y a deux choix qui s'offrent à lui actuellement. Soit il reste avec Matt Riddle et il conserve les titres. Soit il perd les titres et Orton tourne heel sur Matt Riddle. Et Orton, il est tellement over que ce que nous, on veut tous, c'est Orton contre Roman Reigns, tu vois. C'est ça qu'on veut, quoi. Après, moi, je pense pas qu'ils vont splitter maintenant.
Donc je partirai sur une victoire des RK Bro pour faire un moment fun et de communion avec le public. Après, s'ils perdent, je pense que c'est Chad Gable et Otis qui vont récupérer de nouveau leur titre. Moi, je pense que ça va être un des meilleurs matchs de la soirée parce que là, il y a trois équipes qui savent ce qu'ils font. Dès qu'il y a une des équipes dans un match, c'est des matchs de folie. Donc on a peut-être le show stealer, comme on dit. Ça aurait pu être le show stealer. Mais le match qui arrive maintenant va être pour moi le meilleur match de tout WrestleMania. Edge versus AJ Styles. Alors ça les gars, si ça c'est pas un dream match, à moins que Will Smith débarque et mette une claque à Orton. Exactement. Will Smith vs Orton à WrestleMania 39, on signe. Donc voilà pour moi ce qui va être donc le match, le meilleur match de la soirée. Edge et AJ Styles. C'est un match que dès qu'on a vu que Edge il est revenu, on le voulait ce match. Et là on l'a à WrestleMania. Et plus Edge il a retourné heel. Edge en heel, c'est le Edge qu'on aime quoi. Le dream match, c'est ça exactement Moon. Dream match de fou. Avec toutes les gimmicks de visage que Edge il peut nous faire. Le in-ring des deux quoi. Ça va être un match de folie quoi. Celui-là je veux qu'il dure. Je veux qu'il dure, tu vois. Une bonne demi-heure, tu vois. Je veux un gros match. Parce que là là ils peuvent raconter une histoire, tu vois. Et là pareil, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on fait gagner Edge pour appuyer son nouveau personnage de légende, tu sais, qui est un peu en mode ah, de toute façon nous on est des légendes, les mecs s'ils veulent devenir des légendes ils doivent d'abord passer par moi, tu vois. Ou on fait gagner AJ Styles qui a vraiment besoin d'une grosse victoire pour revenir au sommet de la fédération. Donc là en vrai ce match là c'est le plus dur pour moi à pronostiquer quoi. Quelle musique choisir à ton avis, The Brood ou sa musique actuelle? Bah je crois qu'il a une nouvelle musique en fait. Je crois qu'ils ont fait un nouveau theme song, si j'ai bien compris. Après autrement, il rentrera sous The Brood, je pense. Parce que sa musique actuelle, ça rentre plus trop avec le personnage. Donc là, donc ce match là. Comment le pronostiquer? C'est ça qui est vraiment dur. Après, si... J'ai quand même me mouiller, hein, parce qu'on est là, on est là, on est là pour ça. Mais je dirais... je partirais sur une victoire de... Je vais dire AJ Styles, parce que AJ Styles, il en a vraiment, vraiment besoin, quoi. Edge, il a pas besoin de gagner un match, tu vois. Mais bon... Je m'attends à être sublimé, à être stupendous, comme le titre de WrestleMania, par ce match. Je pense, comme je redis encore une fois, va être le meilleur match de tout WrestleMania. Ça va être celui-là. Et maintenant, on va passer, les gars, au main event. Edge est là pour mettre la lumière sur les autres, pas sur lui. C'est ça, voilà. C'est exactement ce que... C'est exactement ça, Moon. Donc, le main event de WrestleMania, qui peut être très bien comme une grosse bouse, c'est le vainqueur remporte tout. Le champion de WWE, Brock Lesnar, versus le champion universel, le chef tribal, le champion, le plus long règne de la nouvelle, de l'ère moderne de la WWE, Roman Reigns. Donc Roman Reigns, Lesnar, qui est pour la troisième fois le main event de WrestleMania. Quand même, il y a déjà eu trois fois. Enfin, c'est la troisième fois qu'il y aura en main event Lesnar Reigns. Donc là, le vainqueur repart avec les deux ceintures. J'espère qu'on n'aura pas un finisher match. Parce qu'on sait que les deux, ils aiment bien faire des finisher match. Hein. Donc là, ça va être du lourd, je pense. Parce que les deux, il y a quand même... C'est, en fait, en gros, si, pour ceux qui ont un peu suivi cette année de catch, depuis SummerSlam, hein,
Il y a tout qui tourne autour de Roman Reigns et de Lesnar. Les mecs, ils ont un ton d'antenne incroyable. Donc il y a tout qui tourne autour. Et une rivalité hyper puissante. La trahison de Paul Heyman. Reigns qui fait perdre le titre à Lesnar. Lesnar qui le récupère. À chaque fois, ils interviennent dans les matchs de l'autre. C'est épicness, quoi, j'ai envie de dire. Et donc ce match, j'espère qu'il y aura du lourd, quoi, et pas qu'il y ait un match de merde, parce que on sait que des fois, avec Lesnar, les matchs durent pas très longtemps. Donc là, j'espère qu'il y aura au moins un match de 20 minutes, tu vois, avec des interventions de partout, Paul Heyman qui sait pas où se placer. Et je veux qu'il y ait un suspense. Je veux pas, tu sais, qu'il y ait un match à sens unique, tu vois. Je veux vraiment du lourd, quoi. Je veux rêver devant ce match. Et surtout, je refuse catégoriquement que Lesnar gagne ce match. Lesnar, c'est un part-timer. Je veux pas de ça. Là, vraiment, si Roman Reigns, c'est vraiment le nouveau John Cena, eh ben, il faut qu'il gagne. Il faut que le Tribal Chief ait les deux ceintures, tu vois. Bon, ça, après, en plus, pendant tant qu'il aura les deux ceintures, à part s'il les unifie, à chaque PPV, il aura deux matchs. Ça peut être énorme. Est-ce que Brock a déjà remporté deux titres? Si la réponse est non, alors Brock l'emporte. Oui, Brock a déjà remporté deux titres. Brock, à l'époque où il y avait... encore championnat du monde poids lourd, il était championnat du monde poids lourd et de la WWE. En battant John Cena à SummerSlam 2014. Le problème, c'est que Brock Lesnar, il est tellement vendeur que c'est possible qu'il gagne. Parce qu'imagine un PPV avec deux matchs de Brock Lesnar, mais pour la WWE, c'est le jackpot, c'est le pactole. Mais le chef tribal, il a fait une saison incroyable. La Bloodline, toute la Bloodline, donc les Uso, Roman Reigns, Paul Heyman. C'est énorme. À ce qui paraît, les fans adorent son nouveau personnage drôle. Non, franchement, mec, j'ai détesté Brock Lesnar. Et là, ils nous ont fait faire un face turn. J'y croyais pas. Je dis, quoi, Lesnar gentil? What? Et il est trop drôle. Le mec, on dirait un putain de cow-boy. Il est trop drôle. Donc voilà, donc le chef tribal contre Brock Lesnar. Un match dantesque. Un match vraiment WrestleMania-esque, ça on peut pas se le cacher. Et donc on espère un gros match. Mais je vais partir sur la victoire de notre chef tribal. Oui, Roman Reigns, je te reconnais moi. Pas comme tous ces idiots qui refusent de te reconnaître. Victoire de Roman Reigns et un final énorme avec toute la Bloodline. Pour vraiment là que... Il dit sa fameuse phrase « Acknowledge me ». Donc, on va faire un petit résumé, les gars, vite fait. De tout ça, quoi. Attendez, hop. On va couper toutes les images. On va faire un petit résumé. Et après, on va s'arrêter là, quoi. Pardon. Alors, pour résumer, New Day Peaky Blinders, victoire des Peaky Blinders. Ensuite, le kebabier contre Baron Corbin, victoire du kebabier. Les Los Mysterios face à The Miz et Paul Logan, victoire de Los Mysterios. Raw Women's Championship, Becky Lynch, Bianca Belair. Bianca Belair, nouvelle championne. La Bloodline, Jimmy et Jey Uso contre Nakamura et Rick Boogs. Victoire de la Bloodline, toujours champion. Charlotte Flair contre Ronda Rousey, SmackDown Women's Championship. Je pars toujours et encore sur une victoire. Pourquoi ma webcam, elle a disparu? Voilà. Sur une victoire de la Queen, Charlotte Flair, toujours championne. Seth Rollins
On résume, hein. On espère tous que ce soit Cody Rhodes qui va l'affronter, hein. Et personne d'autre. Donc si c'est Cody Rhodes, victoire de Cody Rhodes, bien sûr. Après, on continue avec le prochain match. Il est où ? Il est là. Donc le Kevin Owens Show, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas, ça va être un gros moment parce que c'est Stone Cold chez lui. Ça va être énorme. Le duel des géants, Bobby Lashley, Omos, match nul. Le match où tout peut arriver à la mode Jackass, Johnny Knoxville, Sami Zayn, victoire de Knoxville. Pat McAfee, Austin Theory. Fatal 4-Way match pour les Women's Tag Team Championship, victoire des deux nanas qui n'ont pas été respectées, Liv Morgan et Rhea Ripley, nouvelle championne. Raw Tag Team Championship, toujours champion, RK Bro. Edge, AJ Styles, victoire de AJ Styles pour le retourner au sommet et affronter le chef tribal. Et le main event, Roman Reigns, The Tribal Chief, double champion du monde. Et ça va être énorme. Donc, les gars, les boys, c'est les pronostics pour ce show. Il y aura peut-être un live en réaction directe au show. Peut-être, hein, je dis, c'est pas sûr. Hein. Donc sur ce, portez-vous bien. Très bon show à vous. Et il y aura un live pour débattre des résultats qui se passera au courant de la semaine prochaine. Donc sur ce, les gars, restez forts. Et la suite, au prochain numéro. Ciao, ciao. Et merci, Moon, pour cette conversation. Ciao, ciao.